moulin comme les autres. N'importe quoi, vous dites. Vous dites. Et vous avez raison. Bonjour à tous, bonjour à tous. Amis et mesdames, on va passer dans Silent Hill 3. Oh ouais. Et madame, maintenant, on va continuer cette bonne vieille Solus. Allez, vas-y, on y va. Voilà. Et on va aller, on va pas aller en M6. Ah ah, c'était fermé. S'il y avait cru, hein. Bon, qu'est-ce que j'ai récupéré, en fait? Ah oui, l'appareil photo. C'était dans quel sac? Il fallait l'utiliser. Non, c'était pas ici, déjà. Putain. Normalement, c'était au rez-de-chaussée. Ok. À moins que c'était pas au rez-de-chaussée. Je m'en rappelle plus. Ah, attendez que je réveille. Je crois que c'est en C4. On va retourner faire du C4. Voilà. On va tout faire péter. C'est moi qui te le dis, hein. Je suis pas fou non plus. Ouais, prends pas l'ascenseur, hein. Pas envie, là. Prenons l'escalier. Poum poum. En même temps, j'ai eu l'habitude dans Silent Hill d'utiliser cet escalier. J'ai pas l'habitude que l'ascenseur y marche. Voilà, l'excuse. Bon. Vous auriez pas vu ma femme. Elle est brune. Avec les cheveux longs. Et roux. Comme un roux. Vous n'auriez pas vu mon gosse. Il est mort. C'était l'imitation de Columbo du jour. Bon. Poum poum poum. Oh, une bouteille. Allez, picole les heures. Non, c'était pas en... C'était pas en C4. Putain, c'était où? Il y avait une salle où c'était bien pété de partout. Il fallait prendre en photo, c'était... Ah, c'était la storeroom. Ok, c'est pour ça qu'elle m'a pas coché. Reprenons l'ascenseur. C'était la storeroom, c'était dans le sous-sol. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Allez. J'espère que l'autre avec son fauteuil roulant il est pas revenu, hein. Salut. Au revoir. C'est pour ça, ouais. Bon, allez, vas-y. Ben, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est la question qu'on se pose. Moi, même pas en rêve que je fais ce qu'elle est en train de faire, hein. J'aurais trop peur, putain, t'es fou! Wow. 5319. Ok, 5319. Il y avait plusieurs chiffres au dos. 5319, oui, c'est ça. C'est normal! C'est normal! Bon, ben. Ça s'est fait, non, on s'en fout de ça. Allons, troisième étage! Ouais! Ouais! Il a pris sa bière comme les autres. Ouais. Ben, c'était où? Oui, c'était bien au troisième étage, j'avais raison. Voilà.
Non, là, je suis allé au toit, je suis con. Je suis bourré, moi. Bon. 3500... La photo. 3519, on va dire. C'est ça? Bon bah on y retourne. Putain, pourquoi elle conserve pas la photo? C'est malin de l'acheter direct, hein. C'est malin, pauvre conne. Putain. Bon, on y retourne parce que moi j'ai oublié. Ouais, 5319. Voilà. Quand même, vous remarquez qu'on y reste toujours longtemps hein, dans l'hôpital, que ce soit les jeux là. Ouais, on a déverrouillé. Moi, je suis un peu rouillé, mais bon. C'est pareil. Allez, il est calé. Ah, ben, j'ai payé ça, bon. Bon, c'est cassé, voilà. Ouais, direct. Bon, qu'est-ce qu'on a? Boisson revigorante. Un mouchoir et un réveil. Le réveil est cassé, sinon rien de spécial, ok. Normal. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un magazine, un genre de canard à ragot. La maison d'espoir, enseignée de l'espoir. La maison de l'espoir est un orphelinat à proximité de Silent Hill, mais derrière son image respectable se cache un endroit où l'on kidnappe et torture mortellement des enfants. Maison de l'espoir est gérée par la Silent Hill Smile Support Society. Une organisation caritative parfois appelée 4S. Il est vrai que 4S est une œuvre caritative qui prend en charge des enfants sans abri pour leur donner espoir. Mais en fait, il s'agit d'une organisation païenne qui enseigne son propre dogme malsain au lieu des vraies valeurs religieuses. Monsieur Smith, donc, qui habite près de la maison de l'espoir, a déclaré « Parfois la nuit, j'entends des prières étranges et des pleurs d'enfants. Je suis allé me plaindre une fois, mais ils m'ont expulsé sur le champ. Depuis, rien n'a changé. » Par ailleurs, notre reporter s'est vu refuser l'autorisation de photographier les installations. Les gens de la maison de l'espoir ont-ils quelque chose à cacher? Durant mon enquête, j'ai pu toutefois découvrir une susceptueuse tour en béton qui semble faire partie de leur installation. Malheureusement, personne n'a voulu nous dire quel était son usage. Il semble peu probable qu'elle serve à l'éducation des orphelins. Elle pourrait s'avérer être une prison ou un lieu de prière. Pour les gens du coin, le culte religieux qui gère la maison d'espoir est simplement connu sous le nom de l'ordre. C'est une religion profondément liée à l'histoire de Silent Hill. Mais la conviction fervente qu'ont les fidèles là d'appartenir à une élite de personnes élues illustre son respect sombre et voilà. J'ai l'intention de poursuivre mon enquête sur la maison d'espoir et sur le culte qui se cache derrière. J'ai toujours été convaincu de dire toute la vérité et montrer le droit chemin aux enfants et notre devoir le plus important. Joseph Schreiber. Maison d'espoir, j'ai l'impression de connaître ce nom. Rien que l'ordre, normalement ça devrait évoquer des trucs. Ouais, l'ordre, c'est le culte à lequel appartenait Dahlia dans le premier opus, et sûrement donc Claudia. Hein. Ouais, sympathique. Il avait raison, Coleman. Il y a bien un ordre, une organisation derrière tout ça. Un culte religieux, putain. Dans quelle merde on s'est encore foutu.
fout les boules, hein. Y a rien de pire qu'un putain de culte religieux. C'est une mafia, mais bon. Oh, ce truc du bif juif. Oh, bah, qu'est-ce que ça branle là, mais bon. Ok. Ah, alléluia. Oh, putain de... What? La poupée est déchirée, c'est pas beau à voir. Je me demande qui a fait ça. Ok. Au revoir, Heather. Pardon de n'avoir jamais su répondre à ton amour. Tout est fini, Léonard Meuet, parce que je me suis moqué en disant que ça finirait comme ça. Sans ces embrouilles, j'aurais pu te rencontrer bientôt et j'aurais pu t'emmener dans mon monde. Ça, ça rassure pas. Un monde rien que pour nous, plus beau que celui-ci. Et j'attendais ce jour, aujourd'hui, le jour où je te verrai, où tu me sauverais. Aujourd'hui, Heather, méfie-toi de lui. Léonard est bizarre, adieu, je t'aimais. Heather, ma déesse, Heather, ma chérie, Heather, ma... Ok, Léonard. Mais tiens, mais c'est marrant, mais... On cherche justement à Léonard. Oh putain, c'est un maboule en fait, le Léonard qu'on cherche, c'est ça. Toi, t'es apparu comme ça, style Jason, hein. Eh, hey, c'est Léonard Steak Charmer, non. Ok, salut. Putain, en plus, il y en avait une qui a paru dans le dos, hein, salaud. Ils sont parus comme ça, hein, pour me foutre les boules. Eh ben, ça a pas marché. Allez, on laisse 12. Poum, poum, poum. Bonjour. Hello? Claudia? No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Though maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. God, what a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already! I'm not Claudia. You're not Claudia? My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... Oh, I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry. She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? Bah oui, pour pisser dedans! Non. Logique. The end of the hall on the second floor. Ok.
C'est bizarre, mais sur la carte, il n'y avait rien, et quand on est passé, il n'y avait rien. C'est bizarre, mais on va quand même y aller. Hein? Pour en avoir le cœur net. Mais bon, c'est chelou. Oh bah voilà, on a fait la converse avec Léonard Wolf. Wolf? Avec Léonard Wolf? Et maintenant... Let's go, let's go, let's go, let's go. C'est parti les amis. Boum. Allez, vas-y. Donc au bout du couloir. Alors, est-ce que le mec il avait fumé hein? Ok, il y avait même... C'est bizarre, mais pour ça je suis sûr qu'il n'y avait pas ça avant. Mais on va quand même prendre le M... rien. Le M rien. Il n'aime rien. Bizarre. On peut revenir en arrière? Ouais. Ok, ouais, c'est bizarre. Bon, on va quand même l'emprunter. Donc là, on se retrouve dans un couloir chelou. Ok. On va dire que c'est normal. Ouais, on va dire que c'est normal. Ok. Toujours aussi normal. Dans un putain de labyrinthe. Ça me rappelle Silent Hill de ça aussi. Hein, un fucking labyrinthe. Souvenez-vous aussi. Je vais vous aider de vous souvenir. Ok, donc maintenant on peut plus rebrousser chemin. Ok, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est par là. C'est par là. Wow, attention, 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 attention. Ok, on est bloqué. Oh, bah tiens, symbole. Et si on sauvegardait? Cette image, celui-ci me donne pas mal à la tête quand je la regarde. Mais je connais celle-ci, ce doit être. Lisa! Lisa Garland! De Silent Hill 1. Qu'est-ce que je rêvais ou quoi? Non, c'était plutôt comme regarder une vidéo dans une pièce obscure. Mais cette infirmière, je la connais. Lisa, si gentille avec moi dans cette horrible chambre d'hôpital. Mais c'est vrai qu'elle est devenue un peu bizarre. Ouais, elle a essayé de butard, hein. Enfin, bizarre. Ouais, bizarre, bizarre. C'est bizarre, bizarre. Mais oui, c'est bizarre. Ok, une échelle. Bon, les murs sont bizarres, mais bon. Oh, tiens, mais c'est notre pote. Le tourneur de Valve. Eh, hey, Valve, ça rappelle quelque chose des créateurs de jeux vidéo. Salut, mon gros pervers. Allez, regarde sous la jupe. Donc ça, c'est notre ami Valtiel. Ouais, on a l'habitude de lui. Donc ça, c'est une infirmière. Ok. C'est tout à fait normal. Ok, je sais pas s'il fout avec l'infirmière là, mais... Je veux pas le savoir. Ok. Donc là, on est dans l'hôpital version alternée. Et on va... Ouais, là, ça semble un faux pas. Et on va dire que c'est assez chelou dans le coin. Il y a un brancard laissé à moitié dans la pièce. Peut-être qu'on le transportait, oui... On apportait sûrement quelqu'un ici.
Putain, essaye de trouver une explication rationnelle. Et là, cet endroit, je l'aime pas parce que les portes sont vraiment difficiles à voir. Bon, après, il y a la radio qui grésille, ce qui voudrait dire c'est qu'il y a des ennemis dans le coin. Ok, là c'est gribouillé en noir. Pas besoin de vérifier, je déteste toucher ce genre de choses, on dirait un morceau de viande par terre. Ok, ça c'est surtout un brancard là. Un brancard ensanglanté. Franchement, la déco du coin est assez chelou. Pourquoi ça grésille ici? Attendez. C'est bizarre. Il y a quelque chose là-bas? Attendez, on regarde. Non, non, il a l'air d'avoir, je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre et on va surtout bientôt s'arrêter, les gens. Ah! Une porte ouverte! Ouais, l'hôpital est vraiment chelou dans le coin. Bonjour. Bonjour. Donc là, il y a une main. La main derrière la fenêtre. Trois petits points. Ouais, je t'avoue, j'ai pas envie de la toucher. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour l'hôpital alterné. Et vous voyez que ça change de Silent Hill 2. Parce qu'en même temps, Silent Hill 2, c'était plus humide et tout. Alors que le 3, c'est plus comme le 1. C'est wouhou! C'est wouhou! Allez, les gens. Je vous dis à la prochaine, les amis! Coucou!